Salut tout le monde, c'est Kuroto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kaya Dark Lineage. J'espère que vous allez bien, la dernière fois on s'était laissé après avoir terrassé notre premier boss qui était relativement simple, même si à la fin j'arrivais pas à avoir son dernier truc chelou là. Et du coup on devait retourner à Native City et Atea s'est fait enlever ou attaquer, on sait pas trop ce qui s'est passé. Du coup c'est la merde. Et du coup on retourne à Native City parce qu'on ne peut plus progresser pour le moment. Ah, je pensais qu'il allait avoir une cinématique tout de suite, mais pas du tout. Hop, et on va profiter pour se soigner aussi, parce qu'on a plus de vie. Tu as laissé Atea tout seul, mais ça va pas. Je... Ils l'ont capturé, et c'est ta faute. Quoi? Atea n'est pas rentré. Le chasseur l'a eu. Le chasseur? Il parle d'un des Wolfen, un des plus forts et des plus cruels. Tu oublies de lui dire qu'il contrôle un territoire entier infesté de Wolfen. S'il a capturé Atea, alors c'est comme s'il était mort. Il sera remis à Brazul en un rien de temps. Non, je ne le laisserai pas faire. Toi, t'en as fait assez. Allez! Qui d'autre peut le sauver? Toi? Et toi? Qu'as-tu fait pour le sauver? Tu t'es enfui? Ah oui? Ben moi, il me semble que Kaya fait beaucoup mieux que toi. J'ai pas de temps à perdre. Je vais sauver Atea. Je vais te montrer sur la carte où se trouve le donjon du chasseur. Atea doit y être. Alors, tu as le faux cul là, il nous lèche le trou de balle. Désolé de l'expression. Et t'as l'autre qui nous aime pas du tout. Alors, du coup, nouveauté normalement sur le tableau machin, qui ça n'apparaît pas, d'accord. Du coup, on va chercher Atea qui s'est fait enlever. Attention, attends. On a combien d'argent? Comment on voit? Je sais plus. Pas comme ça. Non, hop. C'est quoi la touche? Ah bah comme ça. 74 ouais, c'est pas ouf. Bonjour, c'est un honneur. Bonjour, de pouvoir chez c'est moi. Un honneur. Pas comme ça. Qu'est-ce que je raconte? On a pas beaucoup de thunes, je sais plus combien coûte le machin qu'il faut qu'on achète. Mais si on peut pas l'acheter, c'est un honneur de vous voir chez moi. On a chopé un peu de thunes un peu partout là, en faisant des mini-jeux et trucs comme ça. Bon, on va suivre le panneau parce que je pense qu'il va nous indiquer où faut aller, et il faut aller par là tout bêtement. Je voulais vous dire un truc et j'ai totalement oublié. Ah oui, désolé si on entend les bruits de manette. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je peux pas faire autrement. Hein. Blue Yeti il capte bien les sons. Et voilà quoi. Ah d'ailleurs, du coup, on a récupéré une ruine et du coup, on a plus de pouvoir aussi. On est à 100. Ce qui est plutôt pas mal. Et on a un truc de vie qui coûte 1000 unités. Je sais plus. Comment ça s'appelle? Les Nouti. Il coûte 1000 outils, mais nous ce qui nous intéresse c'est ça, et on avait pile 70, enfin on avait 76, mais voilà quoi, on était, enfin voilà, on a presque pas assez. Ok, ça c'est récupéré, qu'est-ce que ça va? C'est rien du tout. Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose, non je crois pas qu'on peut accéder à autre part, pour avoir d'autres mini-jeux, non j'ai pas l'impression. Ok, on retourne au truc des téléporteurs, et puis on retourne à l'endroit que je vous ai promis que ça allait être très très cool. Vous allez voir, on va beaucoup s'amuser. Moi j'aime beaucoup. Alors on va juste prendre le parcours. Là je pourrais directement descendre, mais je crois qu'il y a un mini-jeu à avoir là-bas. Ouais, il y en a un. Et là-bas, bah, c'est par ici qu'on était censé accéder au truc que j'ai un peu grugé, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu me proposes? Ah! Alors celui-là, les gens, c'est mon préféré. Ah merde, je peux pas. Ah putain, je peux parler que 5. Ah, celui-là, je le kiffe. Mais je le kiffe tellement, c'est mon préféré, j'adore. J'adore ce truc. J'adore ce truc. Donc on est un peu dans le délire lave et tout. Et faut taper un score, mais franchement, c'est super simple. Je vais juste ralentir à la fin pour pas faire un score trop haut, parce qu'après, pour avoir de la thune grâce à ça, il faudra taper le score. Donc si je fais un putain de score, j'arriverai pas forcément à le rebattre facilement. Donc. Ne prenons pas. Bon, vous voyez, je prends un petit peu quelques raccourcis. Rien de. Alors, je suis pas sûr que c'était la bonne idée de faire ça. Donc, oui, il y a des petits raccourcis. Le jeu a fait en sorte que ce soit possible. On voit que. On le voit par rapport à la surface de la plateforme. Parce qu'elle est un petit peu. Genre, on voit qu'il y a moyen de sauter, tu vois. Enfin, genre. Regardez là, par exemple. On voit qu'on peut. Il y a un tir bord, tu vois. Pour nous dire, ah, vas-y, va par là. Ah, et c'est le vide. C'est un fail. On recommence, je m'en fous. Ah, mais du coup, j'ai perdu la thune. Ah, mais je peux pas le refaire.
J'ai fait de la merde. Allez. Non. Bon, on reviendra, mais avec plus de thunes. Bon, ça, pour l'instant, je peux pas le prendre. Les accélérateurs ne marchent pas sur cette planche-là. Donc il nous faudra une meilleure planche. Bon, moi, vous avez vu le truc, vous avez pas jusqu'au bout. On est à la fin, quasiment. Mais ouais, c'est franchement... Ah bah voilà, il apparaît maintenant. C'est très cool. Franchement, j'adore celui-là. Je le surkiffe. C'est nul, hein, mais je kiffe. Ok, retournons du coup ici. Et là, on va se faire masse thune au passage. On va avoir un petit 200 en outils, 300 même. Vous allez voir, on va se faire de la thune. Et en plus, on va avoir un droit à une petite monture. Vous allez voir, c'est très cool. Parce que eux, on pouvait pas monter dessus parce qu'on n'avait pas l'objet qui nous permettait. Parce qu'ils ne nous faisaient pas confiance. Ils ne nous faisaient pas confiance, donc voilà, voilà. Bon, on récupère bien tout. Bon, avec ça, on défonce tout. Hein. On peut tout défoncer, vraiment. C'est juste génial. La caméra, s'il te plaît. Hop, merci. On peut tout défoncer. Avec ça, on est invincible, en fait. On peut mourir que en tombant dans le vide ou en allant dans la lave ou un truc comme ça, mais sinon on est invincible. On détruit tous les Wolfen, on les explose. C'est le truc le plus cheaté du jeu. C'est abusé. Hop. Bon, après on peut quand même prendre des dégâts, hein. Faire gaffe. Si on se mange les pics par exemple, on prend des dégâts. Donc... Ne faisons pas de la merde. En général, ça, ce que je faisais, c'est que j'étais dedans, j'allais ici, c'était pour fermer de l'argent, j'allais ici, je traversais tout ça avec le machin, ils ont dit ce que c'était, mais je me souviens plus, et je retournais à Native City et je reprenais le machin. Et on s'est pas fait tant que ça finalement, que 100. Il me semblait que ça rapportait beaucoup cette connerie. Et du coup, les Wolfen en ont peur de ce truc. Ils en ont peur. On va juste descendre, là, ça sert plus à rien. Surtout pour le monsieur physique, c'est embêtant. Non! L'autre! Parce que si c'est loin de 3, il peut récupérer son fusil. Hop, ça dégage. Et toi? Ça marche pas! Je tente de faire L2, mais je pense qu'il faut qu'il y ait deux Wolfen, sinon ça marche pas du tout. Faut que j'ai un Wolfen dans mon dos, peut-être que je peux me baisser, mais je sais pas si c'est. C'est bizarre cette affaire. Tac, tac, tac. Et bah du coup je te laisse là, je ne peux pas t'emmener plus loin. Ah, pour descendre du comment ça s'appelle? Jam good. Ok. Ok, toi tu laisses. Et il donne pas de pièces ceux-là, il me semblait qu'il donnait des pièces de 5. Enfin les pièces bleues. Peut-être plus tard dans le jeu, je sais pas. Bon du coup je traversais tout ça, j'arrive ici, j'ai Native City, je revenais, les caisses repopaient, et ainsi de suite. Et je faisais ça pour me faire un petit peu d'argent. C'était efficace, hein. Franchement, je pense que c'est le meilleur moyen de farmer ça. Je pense. À voir. Hop, on va se soigner un petit peu. Alors ça, c'est stupide ce que j'ai fait. Je vais juste récupérer les petites bouboules. Hop. Ah! Des Wolfen côte à côte. Hop. Essaye d'énerver les Wolfen, oui, bah j'essaie bien ça. Alors, c'est pas lui que je voulais toucher. L'idéal, c'est d'énerver celui qui est au centre. Parce qu'en fait, si on énerve celui-là, il va en taper un. Il va probablement le défoncer. Et une fois qu'il l'aura défoncé, je refais avec lui pour qu'il tape l'autre. L'idée, c'est ça. Voilà. Là, ils vont se replacer. Replacez-vous. Et on est reparti. En fait, ça vient de là, les twerks et tout. Hein. Vous avez vu comment ils roulent du cul? Ah non, il a pas fini. Je pensais qu'il allait finir. Attendez, je vais tenter un truc. Mais ça marche pas! Mais. Il veut pas se baisser, je suis en bas. Je ne comprends pas! Hop! Mais bon, tu me respectes, hein. La mort nulle, hop là!
Bon, j'ai pas bien géré. Je comprends pas comment faire le truc pour qu'ils se tapent entre eux là, en se baissant. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Bon, je vous ai dit, je vais court. On est déjà à 16%. C'est l'épisode 4. Et encore, je prends mon temps. Hein. Je rush pas tout. Donc, franchement, je vous ai dit, c'est court. Et effectivement, le jeu est court. Hein. On va très vite. On va très très vite. Même si c'est le début en même temps. Le début, ça va toujours vite. Mais... Voilà. Alors là, pareil. Hop, on se met là. On se fait discret. Hop. Raté, caméra. Il s'énerve, pas content. Il recommence. Faire gaffe à pas qu'il tombe dans le vide. Ok. Ça c'est un peu le plus dur en fait. C'est pas de tuer le Wolfen en lui-même, c'est éviter qu'il tombe dans le vide. J'ai pas le temps moi. Ah c'est vrai qu'en faisant ça, je peux donner un coup encore à la fin et ça l'aurait probablement tué si je l'ai fait. Je pense pas à appuyer sur carré en fait. Je spam triangle comme un tarde. Hop, alors une fois qu'on a fait ça, faut y aller discrètement parce qu'il y a des petits méchants ici et ils m'ont totalement cramé. Et là, c'est la misère. Voilà, là, il y en a un qui est tombé, forcément. Là, c'est la misère, faut faire gaffe. Bam! Ok, ça s'est fait! On va se suicider parce que là on en a loupé un et que nous on veut rien louper. Hop, bah on le voit, regardez, il est tout en bas là. Coucou. Et du coup on remonte et à la limite, ouais non, on est obligé de passer par là. J'allais dire on passe par votre chemin mais ça rejoint pas. Là techniquement on est obligé de passer par là, c'est parce qu'il y a des lasers et qu'on est obligé de les désactiver sinon ils nous tirent dessus. Au moins ils nous tirent pas dessus, ça c'est cool. Ah ouais, tu rigoles zéro toi, hein. Le mec il m'a tapé deux fois, je suis parti dans le vide. Génial. Franchement je me fais bolosser dans ce SP, hein. C'est un truc de ouf. Je me fais mais bolosser d'une force. Bon, on va faire un truc très simple, on va faire comme l'autre, les autres, on va l'attirer là. Et puis on va exploser. Hop, et ça dégage. Ah, combien de temps? 13 minutes, ok. Ne nous faisons pas avoir par le temps, qu'on commence pas à faire l'espèce de 50 minutes, hein. Hop. Alors là, on monte. J'ai pas d'astuce particulière. Juste, on... C'est pas trop mal, en vrai. C'est pas trop mal. Coucou, vous. Alors, on va descendre, ils ont pas d'armes, c'est rien. Allez, ramenez-vous. Respecte-moi! Le suivant! J'aimerais bien mettre mon combo là. Bon, j'ai mis une partie, c'est déjà pas mal. Hop, toi tu dégages. Oh! Mais oh là, je me fais pas respecter, c'est abusé. Oh genre. Putain, j'ai du mal hein. Mais oh là, je suis mauvais. J'y arrive pas. Merci. Bon, il m'a saoulé. L'abandon. L'abandon. Hop les. Hop les.
Bon, c'était pas très... C'était pas beau à voir, hein, on va pas se mytho. C'était vraiment pas beau à voir. Hop. On commence à plus avoir de pouvoir, on va se méfier quand même. Hop, et allez, on y va. Donc du coup, on avait besoin de... du monsieur pour pouvoir jump ici. Hein. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Hop. Et là, ne pas tomber, hein, parce qu'on se fait vite emporter par la vitesse. Hein. Allez. Et on se fait vite avoir par la caméra aussi. Alors ça, on va tout ramasser par contre. Alors là, je gratte le moindre point, là. J'en aurai besoin. On en aura besoin de pas mal en plus, là. Faisons gaffe. Ah oui, ouais. Ouais, bah, je suis... Ouais, on va devoir revenir ici si on veut faire 100%. On va devoir revenir ici. Parce que là, il va y avoir beaucoup de... Il va nous falloir beaucoup de points. Et on va peut-être même mourir, en fait. J'aurais peut-être dû me soigner. J'ai pas bien joué, là. J'aurais dû être... Ouais, j'aurais dû revenir. Et aller me soigner. Je voulais pas, mais... Là, je vais me faire allumer. Ah, bah, c'est bon, il y a un truc de soin, ici. Et il y a un truc de soin, c'est parfait. Heureusement, parce que là, franchement, une seule barre de vie à cet endroit-là, c'est un peu délicat, je crois. Ok. Bonjour, Elfen Gros. Comment il va? Allez, ça commence. Respecte-moi. Ah ouais, c'est vrai que j'ai ce sort là. Je pense pas le faire. Bon, alors on remarquera que je serais mort hein, si je m'étais, si j'avais pas pu me soigner. Et lui il demande 15. Et j'aurais jamais 15. Bon, on va se barrer, on va pas tuer les autres en haut parce que j'ai pas de pouvoir donc ça sert à rien. Y a pas trop d'intérêt. La carte, ça peut être cool. Ça peut être très très sympa. Sinon, bah voilà, on sait pas forcément sur le Wolfen, même si je connais plus ou moins les emplacements quasi par cœur. Si jamais j'en oublie ou quoi que ce soit, voilà. Hop, on ramasse tout ça. Et on va récupérer notre monsieur. Ah, il y a peut-être un peu de pouvoir à avoir ici. J'aimerais bien au moins avoir le gros, en fait. Ah oui, c'est bon. J'aimerais bien avoir le gros, ça nous évitera à devoir le retuer derrière. Je vais avoir largement assez. Hop. Et les deux zigotos avec leur sniper, on reviendra les achever. Hop. Bon, quand je vous disais la caméra ne vous aide pas, vraiment elle nous aide pas du tout. Hein. Salut toi. Hop. Et ça dégage. Hop, toi tu montes. Hop, et on en continue. Alors là, faire gaffe à pas tomber parce que monsieur n'est pas gentil. Hop, voilà. Hop, on se soigne un peu. Je peux même pas me soigner full. Ah, d'accord. Alors toi, viens. Ah non, attends. Il y a une autre astuce pour toi. Hop. Regardez, c'est tout con. Hop. Oh, le bâtard. Ah, il m'a niqué. Parce que regardez, si on se baisse, voilà, il passe par au-dessus. Donc l'idée, c'est de faire ça, mais au-dessus du vide. Ou comme ça aussi, parce qu'il est un petit peu con. Hop. Oui, je sais. Hop, ça s'est déverrouillé. Je pense qu'on va avoir assez de pouvoir là. 9. Non. Je crois qu'il va nous en manquer un. Hein. J'aurais pas dû me soigner en fait. J'aurais pas dû me soigner, comme ça j'aurais pu essayer d'avoir les autres Wolfen, mais tant pis. Ah, mais attends, là voilà, il va y avoir tout ça. Oui, je sais, je peux pas y accéder pour le moment, mais j'ai besoin de pouvoir moi. Je veux de la puissance. Hop. Là, les gars de chute, on en profite.
Salut les gros. Hop. Combien? 5, parfait, yes. On n'aura pas besoin de revenir. Hop les. Hop les. Ça c'est fait, je suis content. Pas besoin de revenir ici, sympa. Tac, boum. Ok. Bon, du coup, faut se retaper le chemin, désolé. Mais au moins, on n'aura pas à revenir ici. C'est mieux que de ne pas revenir. Parce que se retaper tout le trajet juste pour The Wolfen, ça aurait été un petit peu chiant. Ah, d'où tu respawns, toi? D'où tu respawns? N'importe quoi. Voilà, c'était beau ça. C'était beau, un peu bugué, mais c'était beau. Mais vas-y, mais ils me dis pas que le chien il a respawn par contre. Sinon, je fais un scandale. Non, c'est bon. Du coup, là on peut pas y aller encore pour le moment. Donc on y va pas. Il faudra revenir du coup. Et là, je sais plus trop où on est. Je suis un peu trop ce qui va se passer là. Je vous avoue, j'ai un peu zappé. Je ne me souviens plus. On va pas retourner à la City. J'ai dit peut-être pour me soigner, mais non. Bon. J'ai pas la foi. Ici on peut pas y accéder non plus, mais c'est purement secondaire. Genre il y aura rien de... T'es pas obligé de passer par là, tu peux finir le jeu sans aller ici. C'est pour avoir quelques Wolfen en fait. Parfait. Ils ont pris le vieux fou. Il sait où se trouve le réceptacle. Maintenant, il est à moi. Qui? Un natif veut me voir. Incroyable. Dis-lui que j'accepte son offre. Et puis suis-le. Comme ça, nous verrons où est leur misérable village. Oula, ça ne dure rien de bon. Il y a un natif qui veut nous trahir. Ouais. Ça n'annonce pas que du bon, ça. Hop. Alors il veut juste négocier peut-être, je sais pas. C'est le suspens. Bon du coup le passage qu'on peut pas y accéder pour le moment. Oula. Oh j'ai eu peur. C'est ici. C'est. Ah ben. Ouais non il y a le rocher. C'est pour accéder derrière et il y a quelques Wolfen à récupérer et c'est à peu près tout. Eh, il aime pas trop cet endroit hein, le jeu. Il aime pas du tout même. Les petits frises là ça me fait peur. Hop, allez on grimpe ici, pas de problème. Hop, descend Kaya. Tac, boum, et on continue. Hop, on se met là, on jump. Oh là 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 là. Eh, je t'enchaîne tout ça, mon gars. C'est beau, hein. Fais de belles choses. Oula, calme-toi. On va pas tomber dans le vide bêtement. Là, faut que je me dépêche parce que je crois que la plateforme repart. Nous ne faisons pas voir. Ah, un gros Wolfen! Salut toi! Salut mon gros! Bon, le plus dur, c'est pas de faire tomber dans le vide. Hein. Et en plus, il traverse les barrières, le gros. Pars pas dans le vide! Hop et. Pas trop de problèmes. 15, parfait, j'ai assez. Oh là là, et on fait des choses très bien là. Là, j'aime beaucoup là ce qui se passe. J'aime beaucoup, on fait les choses bien, les tout, on a tout, on arrive à tout bien faire. Je crois qu'il va m'arriver un truc de horrible après. ça apporte de la thune. Et c'est parfait, mais regardez-moi tout ça. Tout est bien. On a de la thune, on a du pouvoir. On va être full vie. Parce qu'on ne l'est pas là. Hop. On n'a raté aucun Wolfen. C'est très beau. C'est très beau. Je devrais pas faire ça. Ah non, ça va en fait. Je pensais que le truc il te repoussait méga loin. Mais pas du tout. Hop. Et on y va. J'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Merde, c'est pas ça que je voulais faire.
Vite. Vite. Non, je m'en doutais, je le savais, j'ai quand même pris le risque. Putain. Mais non, pourquoi? Ah, ça, yes, ça va. Je croyais qu'il allait falloir tout se retaper là. Ça m'a fait peur. Ah, et on arrive à un endroit très sympa. On va voir un spawner à... Hop, toi tu essaies... Ah bah là, il nous a fait... On va avoir un spawner à... À pouvoir. Caméra. Hop. Tac. Ok. Oh là là, je fais n'importe quoi. Alors ça, j'ai toujours galéré. Je vais pas l'avoir. Non, c'est bon. Okay. J'ai toujours galéré. À chaque fois, je me foire, mais là, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'ai fait? What the fuck? J'ai fait... Ah mais attends, mais me dis... Attends. Ah non, déception. Je sais pas, j'ai fait tomber un pont en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis fait écraser par le pont. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Hein. D'accord. Hop. Allez, on recommence. Cette fois-ci, on fait ça mieux, s'il vous plaît. Oh putain, c'est chaud. Ouais, putain. Ah, oh, c'est super dur. J'ai jamais réussi ça. J'ai toujours galéré à choper le truc. Putain, ça parce qu'il y a un bug. J'ai le seum. Non, il part pas direct, hein. Fallait bien attendre. J'étais pas sûr. On va bien se mettre face à l'axe. Ouais. Ok, je monte dessus, comme ça on est sûr, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Et on n'active pas le truc chelou que j'ai activé, je sais même pas comment j'ai fait. Je sais pas du tout comment j'ai fait. En fait, mon but c'était... J'avais pas de but, je voulais juste essayer de toucher les deux zigotos en bas. Parce qu'ils peuvent se foutre sur la gueule. Mais ça, c'est rigolo. Je vais me servir beaucoup de ce truc, hein, j'aime beaucoup. Allez, boum. Ça dégage. En attendant, je vais me taper le gros qui est en haut. Ou alors, je vais le faire tomber. Moi, je vais le faire tomber. Aïe. Respecte-moi! Oh lolo. Au secours quoi. Je suis nul, nul, nul. Tu crois que je t'avais pas vu toi? Allez, ça dégage. Du coup, comme je disais, on va avoir un petit spawner. Je vais y aller. Un spawner à pouvoir. Et de la vie. Bah parfait, comme ça on est invincible, quasiment. Donc on fait ça, et là, ça va être parti pour un moment très agréable. Ça va crier. Y a pas d'autre mot. Help me! J'en ai calmé une. Voilà quoi. Ils sont souvent gardés par ces machins. Hein. Je me suis fait mal, je me suis mangé le mur. Oh la fin nulle! Oh trop triste! Oh trop triste! Honte à toi. Wait. Comment? Ah oui, ok. Ok. Alors normalement, je suis pas censé pouvoir passer au-dessus des barrières comme ça. Sachez-le. Le pont aurait dû casser. Parce que c'est ce pont-là qui a dû tomber, il aurait dû casser la barrière. Sauf que comme je suis mort en même temps, ça a dû faire bugger le jeu et du coup il y a encore le truc. D'accord. Et ouais, d'accord, ok, le jeu il a bien bugué là. Il est 7, toi tu me saoules. Ah bah oui, il rapporte 5. Hop, tu es brawl. Oh, ça fait mal! Oh la vache! La vie que j'ai perdue, j'étais pas prêt. Et du coup, on récupère notre Wenjing là, ou je sais pas quoi là.
pour pouvoir continuer. Bon, l'épisode va être un peu plus long que d'habitude, hein. Il va peut-être durer 35 minutes, c'est parce que j'aimerais bien atteindre un endroit en particulier avant de vous laisser. Hop, on va se soigner. Un petit coup de ça pour être full, et on y retourne. Bon, on y est presque, hein. Il nous reste 2-3 trucs à faire et on est arrivé à la zone où je voulais être. Ah, salut! Comment ils vont? Man. Je dois faire gaffe. Alors sachez que je suis déjà mort ici parce que en gros, je me suis mis là avec les caisses et elles m'ont écrasé en fait. Je pense que c'était un bug, d'ailleurs au passage. Salut. T'es pas mort toi. Hop. Et le dernier. Tu es mort. Ok. On exorcise tout ça. On exorcise. Non, je sais pas comment on dit. Alors ici, il y a un truc qu'on peut pas faire. On va pas forcément y revenir. Il y a pas trop, c'est pas très intéressant. Hop, hop, hop. Il y a quelques pièces à voir, mais bon, il y a rien de folichon. On peut pas ouvrir cette porte-là, je crois. Par contre, celle-là, on peut l'ouvrir, donc ça. Si je dis pas de conneries. Hop. Raté. Ah, je suis obligé d'être dessus, génial. Hop, normalement on a la carte, pas du tout. Non, on a juste le levier pour activer, okay. Pour déverrouiller ça. Pourquoi je pense direct qu'il y a une carte? Pourquoi toujours la carte? Du coup, on récupère tout ça. Ah, tiens, on va même pas se faire chier. Voilà. Merde, c'est à côté. Oula, 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 oh, caméra. Hop, et voilà. Bon, du coup, ça, on peut pas l'avoir pour le moment, on n'a pas encore le gadget qu'il faut. C'est bien dommage, Aya. Parce que je vais pas forcément y revenir. Alors, officiellement, je suis censé descendre par les grappins, mais... fuck. Enfin, les gants de... Avec les gants de machin. Les gants de... d'escalade. Et du coup, nous sommes arrivés à une zone que j'adore. J'adore énormément cette zone-là. Je pense que c'est une de mes zones préférées. Car je me rappelle que l'on m'a descendu par une sorte de grand conduit avec les ordures. Essaye d'en trouver l'entrée. Bon, c'est juste ici, hein. Voilà, c'est pas... Ils nous ont indiqué. Ici, là, cette grande forteresse, on voit pas grand-chose, mais elle est très grande, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, il y a un Wolfen juste derrière ça. Bon, on l'a entendu péter. Voilà, on le voit là, on l'entrevoit. Il y en a deux, même. Autant pour moi. Et il m'attaque. Je sais pas pourquoi. Et du coup, ça on l'explorera pas tout de suite, pas au prochain épisode non plus, je sais plus. Je sais pas si, je sais plus trop quand on pourrait y accéder, mais pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Donc ce sera pour une prochaine fois. Bref, on s'arrête là pour cet épisode, je vais faire une petite sauvegarde. Voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous l'ai... Bon, vous voyez, on est déjà à 24%. Tu vois que le jeu est pas très long, on est à l'épisode 4, 25%. Voilà quoi, t'es officiellement, si on continue comme ça, dans 16 épisodes, on a fini. Voilà, je pense qu'on mettra un peu plus de temps quand même, mais voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode, on va sauver Athéa. Et puis, on avisera après de ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!